3 heures, même avant que moi je le sache, même avant que Samia le sache. Je ne vais pas la nommer, son ennemi. Elle a publié, fait une publication sur sa page en criant victoire. En criant victoire, et qu'on y sent en train, il est dans l'avion. En fait, elle a su qu'il était dans l'avion quand on l'a pris de Marseille à Paris. C'est là où il y a le point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation là. Cette dame, elle était au courant de tout. Ça veut dire, et c'est là où je poserai la question à Monsieur Darmanin, qu'est-ce qu'elle représente, cette dame, pour lui? Oui, parce que apparemment, dans son ministère, il y a quelqu'un qui la tenait informée. Je suis sûr qu'elle est en train. Elle peut m'appeler si elle veut. Je suis sûr qu'elle est en train de regarder parce que je l'ai débloqué. J'ai débloqué 2 de ses comptes. Donc, bien sûr, si elle veut appeler, qu'elle m'appelle. Et en plus, ce qui est étonnant et insultant, c'est qu'elle me demande, appelle-moi. Mais franchement, tu te fous de ma gueule quand tu me dis, appelle-moi dans ces conditions. T'as pas honte de me le dire? Pourquoi je t'appelle? Pourquoi je vais t'appeler?